On peut boire ça ou c'est pour décorer? Ça y est, on y est là, c'est la bonne. Tu te vois bien ou pas? Ouais, moi je me vois bien. Tu te vois bien toi? Je me sens bien ou pas? Ouais, je me sens bien. Et toi? Ça va. Alors c'est parti. Bien même. T'étais pas arrête, hein? Non. Tu me présentes? Ah oui. Bah c'est ma copine, Elodie. Je suis sa copine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Master. Alors, j'ai rêvé de le dire en fait. J'ai toujours voulu dire ça. Ouais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi mon truc c'est salut mes snappotes. J'espère que vous allez bien. C'est pour YouTube. Ouais. Allez, on parle sérieux. Alors aujourd'hui en fait on se retrouve parce que ma copine Elodie a lancé un défi. Alors, c'était quoi ton défi? Alors, le défi que j'ai voulu te lancer, je me suis dit, il faut que je te lance un défi parce que je te vois là, tu te fais des vidéos là, comment on appelle ça? Des home? Non, all. All, ah oui. Des all. Et je me suis dit, t'as toujours des fringues pour elle est trop bien habillée, trop bien, nanana. J'aimerais bien pouvoir faire ça, ouais, mais bon, mais moi, je sais pas trop quoi me choisir et tout. Et comme j'ai capté, enfin j'ai remarqué que tu avais un style très bon, je sais qu'on n'a pas le même style toi et moi, ça c'est fini, c'est foutu, je sais que je serai jamais aussi bien que toi. Enfin bref, j'ai lancé le défi à Elisabeth de faire un haul challenge. Je lui ai donné un budget et je lui ai dit voilà, au lieu de faire un haul pour toi, fais-le pour moi et fais-moi la surprise et montre-moi ce que tu as choisi pour moi. Tu connais mon style plus ou moins et fais-moi rêver. Alors, est-ce que tu as relevé le défi? Est-ce que tu as tenté de relever? J'ai tenté de relever le défi, je sais pas, hein, parce qu'on sait jamais. Parce qu'elle m'a dit, bon par contre, tu me prends des trucs, je peux aller avec au bureau. Donc ouais, du coup, bah, j'ai essayé de faire de mon mieux. Trop extravagant, c'est pour le laisser dans le fond du placard, c'est pas la peine non plus. Hein. Voilà, bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour son style qu'elle porte d'habitude. Donc, il y a tout ça. J'ai hâte de découvrir ça. Elle a choisi le style, donc elle m'a dit remouer parce que j'avais fait un nœud remoué. Ouais, il y avait donc sympa. Ouais, elle avait trouvé que c'était bien, donc du coup on a pu choisir. Vous voyez, on a tout ça. Le budget c'était 130 euros. 130 euros. Bah c'était largement suffisant. Suffisant. Là il y a quand même pas mal. Hein. Donc voilà, je vais lui faire essayer sa première tenue. Je te fais essayer les tenues ou je te montre tout? Non, tu me montres. Là c'est un cordigan, on dit ça comme ça. Cordigan c'est les vestes longues là. Veste longue. Ouais. Je savais pas qu'il y avait un nom. Cordigan. Mais oui c'est cordigan. Alors oui, c'est mon paquet. Voilà. Donc, alors déjà la couleur, ça me plaît. Voilà, bon, c'est une veste on va dire, longue. Très jolie, d'ailleurs ma soeur m'a dit pourquoi tu m'as pas pris pour moi? Ah ouais? Oh ouais, ouais. Parce que ma... Voilà. Oh mon dieu, ah la manche, j'adore. Bah la manche, comme bah ça peut arriver, je crois, vers. Ouais, ouais. Je l'essaie. Attention les bras. Non, ça va. Ouh, on attend. Ah là, voilà. Ah, moi je trouve que ça le fait. Qu'est-ce que t'en penses? C'est canon. Je valide. Alors, les petites manches comme ça, j'adore. Je t'ai pris un pull oversize. Bon, oversize, c'est quand en fait, il y a pas de... Ça m'oriente, hein. Ça se porte large. Ah. D'accord. Donc, soit ça tu portes, que tu essayes de le descendre d'un côté. Ah, d'accord, ok. Voilà, mais voilà, c'est un pull déjà, oversize qui se porte large. Elle, ça me plaît. Voilà. Et même au niveau de la qualité, des fois je t'entendais dire qualité, c'est pas trop ça. Mais, ouais, mais là, là pour l'instant, les deux trucs ça me va. Ouais. J'aime bien. On vient de mettre le pull. Je viens de mettre le pull. Qu'on met comme ça sur les épaules, qui à la base n'était pas comme ça pour être honnête. C'était plus col roulé comme ça. Mais Elisabeth a dit non, ça le fait pas. Elle arrive face à moi comme ça, elle me fait. Elle me craque le pull. Et elle fait ça et parfait. Ah. Non franchement c'est mieux comme ça je trouve, hein, j'avoue. Ah oui. J'adore. Ça le fait. Mais plus large je pense que ça aurait fait encore mieux. Ouais. Je trouve. Mmh. Finalement ça te taille petit. Taille petit ouais. C'est quelle taille t'as pris là? C'est taille unique. Ah oui. On peut même porter comme ça. Comme ça. Voilà. Vous le portez à votre guise. Bon tu faut le repasser un peu. Ah oui oui. Next.
J'ai l'impression que c'est Noël, je vais en paquet cadeau. Mais cadeau. Cadeau en avance. Yeah. Ça. Et en plus, c'est en rouge comme la mère Noël, quoi. Ouais, et même, tu vas avoir une surprise après. Par rapport à ça? Ouais, vas-y. Okay. Non, non, pas par rapport à ça. Alors ça, c'est un... Une salopette, une combinaison. Une combinaison. Une combi. Une combi, elle est trop trop belle, j'adore. Je vous mettrai les prix, hein, comme la matière ça, me plaît. Ouais, franchement, pour le prix, ouais, la matière, ça va, quoi. Excellent. Non. Et j'adore le petit côté décolleté, là. Le aussi derrière. C'est joli. Croisé. Comme ça. Là, pour l'instant, les choix me vont bien, ça me va. Ouais. Tu m'as bien cerné, on dirait. C'est quelle taille, là? C'est du L. Donc ça va. Non, mais c'est parce que ça arrive ici, là. Ah, merde. Regardez, mademoiselle. Mais ça, tu sais que je suis plus forte du haut que du bas. Hein. Bon. Advienne que pourra. Voilà. On verra. Je veux la combinaison. Dommage. Ah oui, c'est vraiment dommage parce qu'elle est belle. Ça. On adore. Oh là là. Mais ça ferme pas. Ça ferme. Dommage. C'est dommage. Vraiment dommage parce c'est dommage. Que c'est elle est dommage. Très jolie. Dommage. Elle était sympa. Ouais. Ce sera un cadeau de Noël pour quelqu'un. Ah ouais, tiens. Oui. Ma belle-sœur, ça devrait lui aller ça. J'étais pris des pantalons parce que tu m'as dit que j'étais en galère. J'ai pas de pantalon. Ouais. Non, j'ai perdu du poids et je n'ai toujours pas fait ma carte de garde-robe. Ouais. Alors, taillotte, hein, j'espère. Oui. Ah, on adore. On adore. Ouh. En valide. Ah oui, oh là là, regardez. Les boutons là, hop, nanana, comme ça. Et c'est élastique. Oh, j'ai même pas grossir. Non, t'as pas le droit de grossir. C'est interdit. C'est donc du XL. XL. Comme toi, t'as pas d'anche, ouais, c'est plus facile. Moi, je me fais toujours avoir parce que. Mais ça, je suis sûre que tu rentres dedans. Bon, peut-être pas dans peut-être ton état. Peut-être pas dans mon état là. Alors, ceci. Next. Ouh, ça a l'air large. Elle. Ouais. J'adore les boutons là. Ouais, c'est joli. Ouais. Putain de culotte. Je m'en dis. Hein. Que j'avais dit qu'il allait être trop large. Oh ouais, je me suis dit, ouais, finalement. Moi, il me va très bien. Ni ouais. Trop large, ni trop serré. Non, c'est parfait. Parfait. Tout. Ah, rouge. Voilà, on adore. Et tu vas voir. Mmh. Donc là, c'est du M du coup. Ouais. C'est tellement adoré. C'est la surprise. Ouais. Tu vas adorer. Enfin, tu vas adorer. Je sais pas, peut-être pas. C'est moi qui lui ai dit de mettre cette tenue là. Non, mais là, le problème, c'est que là, ça te va très bien. Donc maintenant, ça a intérêt de bien aller parce que sinon, ils vont dire, ah, ça va bien aller. Ah, oh, n'importe quoi. Ciao, dehors. Bon. T'es crotte de nez là. Non. Je te jure. Mais grosse couille, j'espère qu'il était pas avant parce que. Bon. Alors ça serait con. Cool, hein, je te le dis moi. C'est bon? Ouais. Parfait. Voilà, ça jumelle. Des sous-signes, ouais. Des gémeaux. Je connais pas la musique, moi non, non. C'est pas trop. Elle est trop jolie. Et je mets le petit haut d'Elisabeth et je suis habillée comme tu es con. Elle connaît mes goûts, ma chérie. Tu connais mes goûts. J'adore. Jolie. Ouais. Je valide. Ah, et madame, elle fait beaucoup de sport. C'était la fille qu'on disait on va au sport. Moi, faire du sport. Never. Ah, c'est fou ça. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, ça me manque. D'ailleurs, cette semaine, j'avais fait qu'une séance. Je suis en bas. Ça fait bizarre qu'elle dise oh, ça me manque le sport. Quoi. C'est incroyable. Hein. Déjà, la couleur me plaît beaucoup. C'est mini haut. Oh mon dieu, je suis pas sûre que je vais être capable de mettre ça. Parce qu'au moment où je vais faire les abdos, les bourrelets ils sont encore. Hein. Bon, ça va. Et là, le pantalon. Ah oui, d'accord. Ah oui, je pense que ça va être transparent. Oui, c'est ça le problème avec les pantalons remoués. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un collant. Un legging, c'est un genre de legging. Ah, t'as trouvé les collants opaques même. Voilà. C'est tout noir. Tu mets en dessous et comme ça, on voit pas. Et c'est taille haute en fait. L'ensemble sport, donc le haut, parfait. J'adore comment ça fait. Par contre, le bas, c'est une grande histoire. Je ne bouge pas trop, que vous ne voyez pas trop les défauts. Voilà. Ouais, donc comme tu as dit, Elisabeth, il faut mieux mettre genre un espèce de collant bas en dessous pour bien galber tout ça. Parce que je fais impasse à la gélatine. Mais j'adore. Ça, c'est un haut aussi. Ah, moi, je t'avoue que j'ai quand même regardé quelques avis hein, parce que j'étais trop curieuse. Ah, bah, je vois, tu vois. C'est tout vert. Ouais, ouais. Plus, non, mais ça, c'est trop la couleur me plaît. Oh, voilà. J'adore. N'oubliez pas de commenter et dites si vous aimez. Hein. Ça fait
est très habillée. Ouais, franchement. Alors, le haut, j'adore. Bon, à la base, c'était un peu fermé. Hein. Ouais, on a ouvert aussi. C'était comme ça. Voilà. C'était comme ça, mais je peux me permettre le décolleté comme ça, vu que. Voilà. Hein, sans commenter. Ça. Un jean. Un jean. Regardons comme ça, ça a l'air d'être grand. Donc voilà, maintenant j'ai mis le jean. Donc le jean, c'est parfait. Ouais. Un peu large. C'était quelle taille ça? C'est du XL. Voilà, bah, ça fait un peu large, mais bon, c'est pas grave. Ça va. Au niveau des cuisses, ça me prend, ça va, ça le fait. Voilà, voilà. Ça, j'ai adoré. Alors, ça, c'est un pull. Ouais. Mon dieu, je vais exploser. Ouf. Ah, c'est un col roulé. Je suis pas très fan des cols roulés parce que quand je me maquille, c'est fini. Mais t'as qu'à pas te maquiller. Pour le peu que je me maquille. Voilà. Là, on va dire que je suis en bombe. Elle m'a maquillée parce que. J'ai trouvé ça super joli. Moi, j'ai pas appris pour moi parce que ça a l'air bien large, mais ça se porte large aussi. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est pas grave. Enfin, de toute façon, c'est mal habitude, je coupe. Oui. Non, je te disais, j'ai pas appris la même chose que toi parce que. Tu veux pas trop ressembler avec ta lèvre. C'est genre, tu vas à une soirée et tu vois que la meuf a la même robe que toi, tu fais quoi? Non, tu dis, parce oh merde. Ou tu dis, ah tiens, t'en as la même que moi. Ouais, voilà. C'est du genre comme ça. Ouais. Moi aussi, c'est pareil. Moi, limite, j'irai, merde, elle va mieux à elle qu'à moi. Ah oui, moi, je suis. Rarement, j'ai dit, ouais. Elle va mieux à moi qu'à elle. Ouais. Parce que. Non, en fait, tu fais même pas attention à ça. Parce que, de toute façon, c'est pas fait que pour moi. Bah ouais. Sinon, tu vas te faire tes propres fringues si tu veux voilà, pas te faire ça. Exactement. Mais j'essaye quand même de pas acheter les trucs qui c'est trop à la mode. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, au moment, il y avait nos robes à Zara. Les robes ici, là, c'était froufrou. C'était à la mode, c'était une robe corail un peu. Ah, mais oui! Tout le monde avait cette robe, c'est vrai. Corail. Trop, c'est trop, ouais. Voilà. Tout le monde utilise donc. Et parle un peu, parle bien. Alors, attends. Parce qu'il te va pas, ben. Quand je vois comme ça ressemble à une robe chemise, c'est ça? Non. Ah, mince. Parce que j'aime les robes chemises. Je... Ça t'avait déjà marqué. Ouais. J'en ai quasiment jamais. Pourquoi? Ah. J'aime! Pour me lever, c'est dur, Bon, j'ai le pull. Non, j'ai le pull. Ouais, ça va. Ça va. Ah. Je me reconnais pas. C'est madame Snapchat. Oui, je passe sa vie sur Snapchat, c'est fou quand même. Pantalon blanc, très salissant. Je vous le déconseille. Voilà. Taille haute, parfait. Là, elle a compris. T'as compris. Oui, taille haute. Mais taille basse. Je, non, je peux pas, moi je trouve ça horrible. Voilà. C'est la dernière. Non, mais. Oh, non, alors là nous avons... Alors c'est un haut que je voulais, en haut. Voilà. Je voulais vraiment le prendre parce que je trouvais ça super sympathique, c'est asymétrique. Mais du coup je pense que c'est un peu grand. Ouais, tu crois? Alors moi si je vois ça dans mon... Tu achètes pas? Non. Voilà, j'ai mis avec le même pantalon la tunique. C'est le haut, ouais. Ouais, tunique noire que... Franchement, là maintenant quand je la vois, j'aime bien, hein, qui est longue derrière, c'est super. Elle est un chouïa large, mais ça choque pas, je trouve. Non, c'est joli. C'est très joli. J'aime bien. Donc moi, j'aime bien à chaque fois retrousser les manches. Avec des talons, ça. Voilà, avec des talons. Ouais, je vois plus avec des talons. Ah oui. Tu vois comme ça, ça va en jeter là. Ah oui. Tac, tac. Alors ça, c'est en haut. Tu sais quoi? Avec 130 euros, je m'attendais pas autant. À autant, ouais. Ouais. C'est l'avantage avec Romain. Pour des gens pauvres comme nous et radines comme moi. Tu me dis, mais pas radines, mais les gens pauvres, on n'est pas des riches. Hein. Bah ouais, donc, mon dos, ça? Oui. Mon dos, il va être dénudé? Oui. Oh, oh. Elle m'a surestimée parce que. Mais ça va. Oui, j'ai perdu du poids, mais mon dos, il est nul là derrière. Bon, je vois tellement. C'est pour la plage, c'est comment? Ouais. Ouais. Non, franchement, du ouais. L. Du L. C'est du L parce que. C'est grand aussi, mais. Non, mais ça devrait t'aller. Tu regardes ou pas? J'adore. Ah, ouais, bah c'est important, très important. Et comme je sais que t'as un vrai souci avec ça. Un gros souci. Ne regardez pas mes bras, c'est pas parce que je viens de dire que j'ai un souci avec mes bras qu'il faut les regarder. Demande-moi à regarder là. Non, toi t'es enceinte. Ouais, mais même. Il est encore. Faut prendre les photos, c'est comme ça toujours. Mais oui, c'est une bonne technique hein, pour toutes celles qui complexent un petit peu avec leur gros bras. Alors surtout, pas de photos comme ça. Ça, mais pas du tout. Mais si jamais vous voulez vraiment la prendre de profil, hop, une petite photo comme ça. Et le bras s'affine comme par magie. Ouais. Du coup, toutes mes photos, je suis comme ça. C'est nickel. Qu'est-ce que tu en penses, Lisa? Moi, j'adore. On adore, oui. Oui, oui, on aime trop. Mais bon, heureusement, c'est moi aussi, c'est pour ça que ça compte. Oui, sinon... Franchement,
sans mentir, je lui mets sur 10 ou sur 20 à 10. 10. Il y avait combien de vêtements, on me disait. Ouais. 10 sur 10, mais sans mentir, 10 sur 10, je vais tout mettre. Il n'y a pas un truc que je ne vais pas mettre. 10 sur 10, à part celui-là. Ah oui, 9,5. Ouais. Donc challenge réussi, j'ai déjà une idée de défi. Commentaire, n'hésitez pas à lancer des défis à Elisabeth, elle essaiera de les relever haut la main. J'espère en tout cas que ça t'a plu en fait tout ça. Oui. J'ai essayé de faire tout au mieux. Bravo, bravo, tu as réussi, voilà. J'adore. Putain, donc, je sais déjà ce que je vais m'habiller ce soir, demain, lundi, mardi, bah, c'est parfait. J'espère que cette vidéo va vous plaire aussi. Ah non, non, je peux dire ça, j'adore. Oui, vas-y. Voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, commenter. Et à bientôt, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir, loulous.